L'intelligence politique, c'est là où je parlais de coopération économique et politique. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Adamou Boubacar. Je suis du Niger. Voilà, je suis le président fondateur de Sahel Agropole, une entreprise qui développe en fait l'industrie au Niger. Voilà, donc je souhaiterais m'entretenir avec les auditeurs de la chaîne concernant la situation actuelle du Niger. Alors, voilà, il faut comprendre que le Niger, c'est un pays d'Afrique dite francophone. Or, tout ce qui se passe dans cette partie du monde est en lien direct avec le modèle colonial français. Voilà, ce n'est pas le premier coup d'État qu'on a au Niger, mais ce coup d'État a la particularité que ça ne plaît pas à la France. Raison pour laquelle il y a cette menace d'intervention militaire sous couvert de la CEDEAO, voilà, pour chasser en fait les militaires de pouvoir. Parce que ces militaires-là, ils ont commis le crime du point de vue de la France d'avoir chassé un ami de la France qui s'appelle Mohamed Bazoum. Voilà, donc... La population, le coup d'État a la chance parce que la population supporte ce coup d'État, parce que tout simplement les élites politiques démocratiquement élues ont échoué. Ils n'ont pas réussi à apporter la paix dans le pays, ça fait 10 ans qu'il y a la lutte contre le terrorisme au Niger. Ils n'ont pas apporté la prospérité économique, les gens vivent très mal, voilà. Les gens sont pauvres et ils ont envie de s'en sortir. Donc nous avons du pétrole, nous avons du gaz, mais il n'y a que 14% du pays qui a accès à l'électricité. Seules les populations qui sont dans les grandes villes qui ont accès à l'électricité. La grande majorité des Nigériens n'ont pas du tout accès à l'électricité. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de développement économique. S'il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de prospérité. Voilà. Donc ce sont toutes ces questions-là qu'il faut essayer de comprendre et apporter des solutions. Mais ces solutions-là, le Niger seul ne peut pas les apporter. Il faut que les pays de l'espace sahélo-saharien se mettent ensemble, voilà, pour trouver des solutions. D'autant plus que le Sahara, c'est un grand espace qui est extrêmement riche. Nous avons toutes les ressources stratégiques qu'il faut, mais il faut apporter la paix. Une fois qu'on a apporté la paix, il faut qu'on fasse des autoroutes, il faut qu'on fasse des chemins de fer qui vont quitter Tanger jusqu'à Niamey, jusqu'à Ouagadougou, jusqu'à Conakry par exemple. Il faut faire des hubs logistiques, voilà, dans le sud par exemple du Sahara marocain. À partir de là, on peut dispatcher toutes les marchandises vers... Donc l'un des grands problèmes qu'on a dans l'espace dit francophone, donc la France-Afrique dont tout le monde parle, c'est un mécanisme qui repose sur les bases militaires déjà, voilà, stationnées dans la plupart des pays d'Afrique dite francophone. Il y a aussi la cooptation des élites à travers soit des coups d'État ou bien à travers des partis politiques qui sont corrompus. Voilà, donc on amène au pouvoir des gens qui ne sont pas élus, mais c'est à travers le trucage des élections que ces gens-là sont placés au pouvoir. Voilà, donc à un moment donné, quand ils sont là, ils ne travaillent pas pour la population, ils travaillent pour les gens qui les ont placés au pouvoir. Nous avons aussi le problème du franc CFA, voilà, qui nous pose énormément de problèmes. Voilà, parce qu'à travers ce mécanisme de franc CFA, une monnaie qui ne nous appartient pas, c'est une monnaie coloniale qui appartient à la France, que la France contrôle. Donc cette monnaie-là, à travers cette monnaie, on arrive à tenir les politiciens, voilà, les dirigeants du pays, mais surtout c'est une entrave pour le développement économique. Parce que quand le Niger vend, par exemple, son uranium à 1 milliard par exemple d'euros, quand le Niger vend 1 milliard d'euros son uranium, eh ben, les 500 millions, donc la moitié de l'argent, est déposé dans le trésor public français. Voilà. Donc le Niger n'arrive pas, à travers ce mécanisme de franc CFA, bénéficier en fait de ses ressources pour développer son économie. Donc le coup d'État, donc ça fait à peu près 2 mois et demi qu'on a eu ce coup d'État. Donc le régime militaire en place est en train, dans un premier temps, de se débarrasser des bases militaires étrangères qu'il y a au Niger. Donc les Français sont en train de s'organiser pour quitter le Niger, déjà. Voilà. Ensuite, le Niger veut aller sur des nouvelles bases de coopération avec la France, déjà, pour commencer. Les élites francophones, bon, déjà, les élites au Niger sont des élites francophones parce que c'est un pays dit francophone. Voilà. Mais il y en a qui soutiennent le coup d'État, il y en a qui sont contre le coup d'État. Voilà, parce que l'ancien régime, ça les arrange. C'est un système dans lequel il y a énormément de corruption qui nous pose énormément de problèmes parce que les ressources du pays sont dilapidées. Voilà, les gens, ils volent l'argent et puis ils partent avec. Et la population n'a rien. Voilà. Nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'industriels, on essaie d'apporter des solutions pour fixer les populations sur place. Mais s'il n'y a pas un cadre économique et politique sain, on ne peut rien faire. Voilà. Et c'est dans ce sens que la coopération avec le Maroc, qui consacre 97% des investissements étrangers directs à l'Afrique, est extrêmement important. Nous, on veut bénéficier du modèle économique marocain, fait des technopoles et des agropoles. Voilà ce modèle-là. Si on arrive à l'implémenter dans nos pays, ça va nous aider à industrialiser nos pays également.
Voilà. Merci. Je vous en prie.